réception. Réception. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur notre Dieu, merci. Merci pour ta présence, pour nous conduire. Merci de fortifier ton serviteur que je suis. Et de prendre une option particulière ce soir, de nous bénir et la gloire et l'honneur te revient. Merci de coordonner tout chaud, de renouveler nos forces, Seigneur. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Ouais, soyez bénis. Amen. Voilà, j'ai mis un peu de retard parce qu'il fallait que je récupère. Le seul remède contre la fatigue, c'est le Seigneur. Amen, Seigneur. C'est Lina Dibo. Moi, je suis physionomiste. Très, très physionomiste. Soyez bénis. Amen. Vos gnani gnani là, ça va partir au nom de Jésus. Amen. On fera un effort pour vous écouter. Amen. Le seul problème, je veux pas que je vous explique un peu le fonctionnement prophétique. Il faut que je vous explique. Pour que vous ayez bien une idée de ce qui va se passer tout à l'heure. Ça, c'est vraiment important. C'est ce qu'on appelle la rencontre prophétique. Vous allez vous exprimer, vous résumer, et le prophète, lui, il fait le retour. Amen. Deux minutes, trois minutes suffit pour que ta vie change. Amen. Le prophète, c'est un guide spirituel. Amen. Le prophète est un guide spirituel. Il faut qu'il dise quelque chose sur sa vie, c'est ce qu'on va essayer de faire. En attendant le monde, je vais apporter une petite présentation. Amen. Amen. Mais le CD, vous devez vider ça aujourd'hui. Sinon, je ne vous reçois pas. Ah oui, parce que mes enfants ne mangent pas à niveau. Les pasteurs, quand ils viennent, vous disent, qu'ils ont dû donner 500 euros, qu'ils ont dû donner 1000 euros. Moi, je vends mon CD. Mais CD, c'est ce que je peux prendre pour payer mon personnel à Dieu. Les billets des banques ne descendent pas du ciel. C'est nos activités l'enfer. Vous me regardez. Ah, vous me regardez. Parce que si vous voulez que je vous bénisse, vous devez me bénir. Amen. Ah. Non, c'est pas béni comme ça. Béni comme ça. Béni comme ça. C'est mon émission. Là, ça me délivre mes factures. Nous sommes à la fin du mois. Vous devez prendre. Si vous voulez, prenez les CD par personne. Même si tu as déjà pris, on a réduit les prix des CD. Le prophète est chef. Il y a 14 ans de carrière musicale. 14 ans. Je suis auteur-compositeur. J'ai composé des textes de d'autres chants. J'ai composé des textes de d'autres chanteurs. Voilà. Donc, je fais le Zulu Gospel. Je suis le propulseur de ce concept. Le Zulu Gospel, je suis à mon dernier album, le tout dernier, Prophète Joël Crasso, le tout dernier, qui comporte aussi la prière prophétique. Donc sur ce CD, il y a des prières. Ce CD-là, introduis ça chez vous à la maison. Le 1, le 2, vous allez commencer à jouer, c'est les prières. Si quelqu'un sort, il va tomber. Amen. On a déjà expérimenté le 1, maintenant c'est le 2. On a déjà expérimenté plein de serpents qu'on a envoyés ou les cousins ou le monsieur même les venus parce qu'il est tombé dans la douche parce que le CD jouait. Voilà. Dans le CD, c'est la prière où j'attaque. Donc il faut que le CD finisse. Si ça finit, ça me donne une option particulière pour vous recevoir. Parce que pendant que je suis là, il y a des factures là-bas. Moi, je ne suis pas venu vous dépouiller. Mais je vends mes CD au moins. Je sais que tu as acheté quelque chose, tu as vendu quelque chose. Amen. 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 Toute la Côte d'Ivoire sait le monde, sait que le prophète Crasso vend une et puis il vend serré. Je ne suis pas venu pour lui dire donne 1000 euros, dans. Moi je ne suis pas dans ça. Voilà. Mais l'argent que je prends là, ça construit au fait là. L'argent que je prends là, j'ai nourri les deux. Par mois, il y a 90 deux que je nourris, un que ça délit, 30 000 francs par mois. Et c'est quelque chose de l'humain dans ce genre d'activité. Afin de pouvoir aider, faire avancer le royaume de Dieu. Sans l'argent, on ne peut pas faire de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Il me semble qu'on est venu tout à l'heure, ils ont bloqué la salle. C'est un business. Les gens ont vu hier, ils sont venus. Hein? Ok. Il faut qu'on bloque. Tu vois, les gens ne sont pas sincères, ils ne sont pas honnêtes. Hein? Non, il n'y a pas de cela. On nous a dit, comme la soirée de Dieu, c'est gratuit. Les gens sont venus, ils ont bloqué la salle. On a bloqué la salle et tout ça. Bon, à Dieu.
Vous avez contribué, gloire à Dieu, ça c'est bien intéressant. Voilà, mais pour qu'on arrive là, c'est des gens qui ont mis la main dans la poche. Ils ont mis la main dans la poche, n'ont pas appelé, donné, parce que le prophète arrive. C'est ce que les gens faisaient avant, et ça ne m'a pas plu. C'est cela, ils me sont mis sur les réseaux sociaux pour m'insulter. Ils ont dit tout ce qu'ils pouvaient dire. Je n'ai pas levé le doigt. Mais comme c'est des menteurs, je suis appelé. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir se présenter devant moi pour dire quoi que ce soit. Je ne dois personne. Personne, je ne dois personne. Aujourd'hui, il n'y a plus d'ambassade qui peut me réviser une visa. Il n'y a pas. Dans mon passeport, il y a un an de visa des États-Unis. Mais ça ne m'intéresse pas. Je voyage pour aller aider les gens. Moi, je suis un passionné du continent africain. C'est là-bas qu'il y a la sorcellerie. Voilà. Moi, j'ai affaire aux sorciers. C'est pour ça qu'il a invité moi au Gabon, invité moi au Cameroun. Pardonnez. Il y a trop de ma plaho là-bas. Pardonnez. Pardonnez, invité moi au Cameroun. J'ai mangé un peu de dolé et puis attaqué la sorcière. C'est vrai, et nous ne laisse pas nous demain. C'est trop doux. La dernière fois, il a bien mangé. Si le problème de la sorcellerie est traité, nous allons dépasser les bras. Donc le problème, c'est la sorcellerie. Ils sont des Népalais, c'est ça notre problème. C'est pas autre chose que ça. Le monsieur, il est là, il te monte dans un... Moi, je suis allé voir la caméra mystique et un sorcier dans un village. Et je lui ai demandé, mais c'est terrible. Moi j'ai trop vu des choses. Pourquoi il ne m'a pas viande? Là, il y a trop arraché des viandes, je te dirais des. J'ai trop de télé ça. Il y a des choses pas postées sur le YouTube, ben, ça vous choque. Donc il y a des images, on ne poste pas. Je suis allé déterrer le genou de quelqu'un dans Canary. Ah oui, ouais, ça. Et c'est son papa. Et son papa. Ça c'est à grand là-haut. Ah ben oui. Moi il y a ce don là. Quand il rentre dans un village, ce don là, il y a la capacité de détecter là où ils ont enterré les choses. Les sorciers toujours enterrent. C'est comme ça ils sont. C'est la mécanique. Ils enterrent toujours. Quand vous voulez, ils enterrent. Ou quand le prophète veut rentrer, ils vont prendre le village, ils en fichent quelque part. Ceux qui ne voient pas clair là, ils vont travailler et puis quand ils finissent, eux ils ramènent leur village. C'est dangereux. Ils sont très dangereux. Et puis c'est un domaine, si tu n'as pas l'onction de Dieu, il ne faut pas aller sur ce domaine-là. Ils vont te tuer. Ils vont te tuer. J'ai tellement déterré la chair humaine, j'ai tellement déterré beaucoup de choses qu'aujourd'hui, là, la viande de bœuf, ça me frère. C'est une science, hein, la sorcellerie, vous voyez là. Ils ont un congélateur. Ah oui. Et vous demandez aux sorciers, la viande l'a fait combien de temps? Ça fait plus de un an. Et puis c'est frais. Mais quand vous enlevez les 5 minutes qui suivent, ça se décompose. Il y a des images, ça choque les gens. Ah oui, hein. On a tellement... Mais c'est ça, il faut faire reculer la sorcellerie. C'est ce que les blancs font. C'est tout. Parce que c'est le spirituel qui fait le monde visible. Le spirituel, voyez là, il y a deux mondes qui caractérisent notre monde. Pendant que toi tu es là, il y a ton spirituel. Tu sais, quand tu dors, tu as l'impression de te voir en rêve. C'est le côté esprit là, que tu vois. Tu vas te coucher là. Comment tu es couché à Paris, ou puis toi tu te vois au village ou à Abidjan. C'est le côté esprit là, qui voyage là-bas. Donc, le spirituel. C'est ça que la Bible dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Le pouvoir du ciel, c'est le monde spirituel. Le pouvoir spirituel et le pouvoir de la terre. C'est ça que pour être grand, il faut être un homme spirituel. C'est tout. C'est pour ça que les gens, ils vont dans l'occultisme, la franc-maçonnerie, parce qu'ils veulent traiter les choses spirituelles. Mais la vraie spiritualité se trouve en Jésus. Amen. Parce que l'Église n'a pas présenté la puissance de Dieu. Donc les gens pensent qu'en allant à l'Église, on adore seulement le Seigneur, mais il y a le côté puissant qui se trouve dans l'occultisme, la franc-maçonnerie. Tous ceux qui sont dans la franc-maçonnerie, la magie, la rose-croix, c'est satanique, vous irez tout droit à l'enfer. Ça, c'est la sorcellerie. C'est une autre forme, c'est une forme de sorcellerie. Amen. Amen. Et quand la sorcellerie sera butée de ta vie, attaquée, radiquée de ta vie, ben tu vas émerger. Pendant que tu es à Paris et tu regardes, moi j'ai vu la caméra du monsieur. Je dis parle. Et moi, ce que je suis, j'aime bien faire les expériences. Il fait des incantations, on voit quelqu'un depuis les États-Unis, dans les Canaries. C'est des choses qui sont des réalités. Ne pensez pas que ce sont des inventions, c'est des réalités. Il parle. Deux mots, puis dit le nom de la personne. Ou bien il a la capacité de faire sortir ta photo. Où c'est elle? C'est ça qu'il faut que votre maison soit consacrée. Vous jouez à élu là.
Vous pensez que nous on est venu faire commerce de druides? Ah, vous avez joué ça? Vous avez joué ça? Non, c'est pas druide. Druide, c'est son mange avec la peau. C'est druide. Mais ça, c'est lutte d'onction. Lutte d'onction. Les gifs, vous voyez là, ça ne mange jamais dans leur maison. Ça ne mange jamais dans leur maison. Ça ne mange jamais. Nous avons le même Dieu. C'est une portée spirituelle très importante. C'est pour ça que l'apôtre Jacques dit, n'imposez, si quelqu'un est malade, priez en long, loignant de l'onction, c'est très important. Tu vas au village, mets ça sur toi. Tu vas aller quelque part, mais en fait, c'est ça même qui est très intéressant, mettez dans les pommades. Vous invitez quelqu'un, vous ne savez pas qui il est, mettez dans la nourriture, c'est lui. Quelqu'un va manger, il fait beaucoup de diarrhée, vous l'appelez. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas seulement tirer chasse. Il y a quoi? Vous avez tout compris. Amen. Amen. Comprenez? Amen. Donc ne jouez pas ça. Donc les sorciers, là, ils ont la capacité de vous voir depuis Paris, depuis Londres, depuis temps. Et puis vous gèrent. Ils gèrent vos quotidiens. Vous avez l'impression, si vous avez l'impression qu'il y a une main aussi qui vous suit, vous avez un bon rendez-vous et puis à un moment quand vous venez, non, c'est pas mal. Parce que le gars vous suit. Donc je vous dis, si le problème de la sorcellerie n'est pas bien traité dans notre vie, il sera difficile pour nous d'avancer. Et quand la sorcellerie est matée, la gloire s'installe, la prospérité s'installe. C'est ce qui fait le bonheur des Occidentaux. Parce qu'à un moment, à une époque, ils ont pu traiter le bon de la sorcellerie. Ils ont traité ça. Pendant 3 siècles, ils n'ont pas joué, ils n'ont fait que ça, attaquer la sorcellerie. Prendre les sorciers, ceux qui faisaient les aveux, on les prenait, on les brûlait, de maison en maison, de famille en famille, toutes les richesses que vous voulez, vous allez comprendre. C'est ça qu'eux, ils ne peuvent pas faire ce débat-là avec moi. Bon, si vous dites que ça n'existe pas, mais ceux que vous avez tués par milliers de personnes, vous avez brûlé au bûcher, c'était pour quelle raison? C'était des innocents. Si vous dites oui, il faut qu'on vous traduise parce que vos familles sont là. On doit vous traduire devant la Cour pénale. Allez, c'est un génocide. Ils ont tué des milliers de personnes parce que les gens pratiquaient la magie, les gens pratiquaient la sorcellerie. Comprenez? La sorcellerie. Donc on les a tous brûlés. Et quand ils ont remporté la victoire contre la sorcellerie, ils ont connu un siècle glorieux qu'on appelle le 18e siècle. Tout le monde connaît ce siècle. Nous sommes tous allés à l'école. Le siècle, le 18e siècle fut le siècle de lumière et de la révolution industrielle. C'est là qu'on a commencé à avoir des grands savants. Parce qu'ils ont la capacité de ôter ta carte mémoire. Tu vas à l'école, tu as un docteur, un master, tout ça. Le sorcier, il s'en fout. L'important, vous voyez là, c'est le corps de l'homme qu'on fait pour toi. Peut-être que toi, pour toi, c'était 40 gigas. Le sorcier, vient, il mange. Il mange quand 38, il te laisse 2. Pour réfléchir son nom. Les gens sont là à l'école, ils mettent tous ces souvenirs, qu'est-ce qu'ils ont fait? On prend, on jette. Quand le petit dit non, j'ai mangé ses enfants, c'est pas faux, hein? Parce qu'à un moment donné, quand les gens ont radiqué la sorcellerie ici sur le continent, ils ont commencé à mettre sur le niveau de l'école que non, ça n'existe plus, la sorcellerie n'existe pas, et tout ça. Et c'est comme ça. Donc la génération, cette génération, ils ont mis dans leur tête que non, la sorcellerie n'existe pas. Mais ils ont leur histoire. Ils ont leur histoire. C'est pour ça que dans un village, quand la sorcellerie n'est pas goûtée, ben, vous voyez qu'il n'y a pas de développement. Parce que la sorcellerie est anti-développement. Amen. La sorcellerie, vous voyez, la sentie développement. La seule chose, il faut te révolter contre la sorcellerie. Et c'est tout. Il faut te révolter contre les flots. Il faut combattre la sorcellerie. Parce qu'eux, ils ne lâchent jamais. C'est ça. Il faut une femme, un homme de prière. C'est tout. Ne pensez pas que le prophète va prier pour vous. Ok, c'est vrai. Parce que ça va s'arrêter. Mais il y a une continuité, c'est votre relation avec Dieu. Et ça, vous devez entretenir ça. Votre relation. C'est ce qui permettra à Dieu de vous, n'est-ce pas, de vous bénir. Amen. Amen. Est-ce qu'on m'a bien saisi? Amen. Voilà. C'est pour ça qu'il faut beaucoup prier. Les heures stratégiques de prier, c'est 3h, 4h du matin. C'est ce qu'on appelle l'aurore. Heureusement que nous autres, par la grâce de Dieu, on a commencé à révéler ça à tout le monde. Parce qu'il y a des heures
stratégique, la prière. La journée commence à partir de 3h, 4h, la journée démarre. C'est là qu'il y a les ouvertures de la journée. Le monde spirituel régit des lois. Donc c'est là que ça commence. C'est ça que vous voyez les musulmans. Là. Et c'est à partir de 4h, commence la première prière, 3h30, les musulmans crient, les gens s'apprêtent. Nous, on dort seulement, on ronfle. Il y a des gens, même quand ils vont demander ces conseils, gaz. Conseil gaz. Amen. Jésus dit, veillez et priez. Veillez et priez. Afin de ne pas tomber en tentation. Et Thessaloniciens nous dit, priez sans cesse. L'âme du chrétien, c'est la prière. Le jour où vous arrêtez de prier, le diable prend le dessus. Lui, je vous fais ça. Il est très rapide. Lui-même, il est là, il vous guette. Amen. C'est pour ça que 4h, 3h. Si vous suivez ça de près, à 3h, tant que vous vous levez à 3h30, vous commencez déjà à prier. Et quand on se lève très tôt le matin, la stratégie, d'abord, quand on se lève, comme je disais, il faut d'abord annuler toutes les programmations faites contre le matin. Parce que la nuit, le diable programme. Ils ont un système. À partir de 3h, 23h30, ils commencent déjà à s'apprêter. 0h, ils sont partis. Ils sont déjà dans la confrérie. Maintenant, ils sont venus pendant 30 minutes, ils s'apprêtent. À partir de 1h du matin, ils commencent maintenant leur mission. Chacun prépare. De toute façon, on dit apprêtez-vous de décollage, vous voyez. Et puis on attache les ceintures, on vous montre comment on fait les trucs. Et puis bon. Ils s'éteignent, baf, le vol en l'air. C'est comme ça. Ils s'apprêtent, baf, on les couvre. Ils ont les messages codés, pas. Lui, il doit faire telle mission. Lui, il doit faire telle mission. Ils sont très organisés. Le diable a pris ça de Dieu. C'est pour ça qu'il reçoit la mission. Quand un sorcier vient à Paris, la chose va l'intéresser. Les sorciers sont dans le quartier à Paris. Donc, lui, il est là. Mais chez ses collègues, les sorciers. Ah oui? Tu vois, quand tu vas encore, tu vas chercher l'église. Bon, puis le Seigneur, tu cherches les francs, tu reçois une recherche. Donc, du coup, lui se met dans un système. Et puis, il commence à travailler. Il travaille avec la Paris, puis il travaille avec le pays. Voilà. Donc, ils ont cette capacité de vous atteindre. Eux-mêmes disent que c'est 15 minutes pour arriver en Europe. Voilà. Donc, j'aurais dit, mais vos sciences, là. Nous, on est fatigués dans l'avion, il y a turbulence, ça fait sauter le cœur des gens, on prie le Seigneur. Mais 15 minutes là, montez ça bruit, un frein, et puis on va plus faire 6 heures d'envol, 15 minutes. Or pour vous là, c'est vous ceux sur balai. C'est balai. On parlait de sorcellerie, nous on entend parler aujourd'hui là, il y a eu 2-3 sorciers qui sont. Ont fait la pirita, qui ont loupé les trucs à Lomé tout récemment, ça fait pas 2 mois. Elles sont tombées nues. Mais c'est ce que les réseaux sociaux. Au Bénin, il y a un monsieur qui allait draguer une jeune fille de 18 ans. Il a dragué la fille, il l'a envoyé chercher. Tu connais pas quelqu'un, tu envoies chez toi à la maison. Elle est restée 3 jours, elle vivait plus. Tellement que c'est bon. Maintenant, lui, il allait se doucher. Il sort, il voit une mamie assise. Ah, vous n'avez pas vu ça? C'est sur les réseaux sociaux. Bref, mais c'est pas les photos, les images sont sur les réseaux sociaux. Une mamie de 75 ans. Le gars a fini ça 3 jours. Tu ne veux pas laisser la fille, elle dit bon. Moi, mais il peut montrer qu'il est là, il est pas. Il est fatigué. Tu finis un mot, tu finis un mot. Il réacte parce qu'il est une mamie. Mange. Elle est assise là. Il a commencé à trembler. Il a appelé tout le monde. Ils l'ont attrapé. Il est mort le lendemain. Mais suivez les informations. Moi, il ne fait que faire des recherches sur ça. Il fait des recherches sur ça. Il veut l'attraper, il a fait des aveux. Tu ne connais pas quelqu'un, lui, il vient t'embrasser. Et le discernement. Parce qu'eux, ils travaillent votre esprit. Le sorcier, quand il veut t'avoir, il travaille d'abord ton esprit.
Il travaille. Tout se fait en esprit. Tout se fait en esprit. C'est cela que, bien aimé, vous devez prier pour que les programmations fréquentes de vous soient annulées. Donc, à partir de 4h du matin, déjà, vous levez, vous priez. Ne dépassez pas 4h. Non, ne dépassez pas. Si vous commencez à respecter les choses spirituelles, vous allez avoir beaucoup de choses. C'est tout. Parce que c'est le spirituel qui vous fait. Vous vous négligez. Pardon? À 3h30, réveillez-vous. Vous réveillez à 3h30 du matin. Quand vous levez, vous réveillez d'abord, vous mettez la main sur la tête pour annuler la programmation. Parce que la nuit, il travaille, il programme. Il te dit, bon, toi, voici cette chose qui doit t'arriver tel jour, à telle heure. Et beaucoup de précision. À telle heure. Souvent, vous voyez les accidents, on dit, le gars, il était là, la voiture vient le percuter. C'est une programmation de mort. Donc, vous priez, vous annulez la programmation. Et quand vous finissez, commencez à programmer. Comme je disais tout à l'heure dans l'enseignement, au commencement était la parole, et la parole est avec Dieu. Tout se fait avec la parole. Donc, utilisez le verbe pour préparer la journée. Il y a des choses qui ne doivent pas vous arriver au cours de la journée. On va bien saisir. Amen. Amen. Si tu fais ça, c'est positionné. Parce que Jésus dit, tout ce que vous liez sera lié, et tout ce que vous déliez sera délié. Donc, il y a toujours des choses que le diable tend comme piège à vous. Et c'est vous qui devez délier. Vous parlez à la journée, vous dites, cette journée-là, telle chose ne va pas m'arriver, telle chose ne va pas m'arriver. Amen. Amen. Et vous avez ce pouvoir-là. Et quand vous voulez rentrer dans un village, à 500 mètres du village, la Bible dit que le vent, Dieu utilise le vent pour, vous voyez, la pomme des messagers, le vent. Vous parlez en direction du vent par rapport au village, vous dites déjà tout ce que se passe, que ce soit les caméras. Quand vous voyez là dans un village, vous voyez des termites à l'entrée du village, c'est des caméras. Vous voyez à l'entrée du village, il y a un cimetière. Les gens font ça généralement à l'entrée. C'est pour étouffer tous vos projets. Vous utilisez cet esprit-là pour étouffer tous vos projets. Donc c'est des choses que vous devez savoir. Parce que nous, on a des informations. Quand on les prend, on travaille avec eux. Ils nous donnent beaucoup d'informations concernant le royaume de la sorcellerie. C'est ça que ça nous intéresse les prendre. Parce qu'ils ont beaucoup à dire. Ils ont beaucoup d'informations à nous apporter. Le hasard n'existe pas. Souvent, tu es là, tu as les maladies bizarres et tu penses que non, ça devait t'arriver. Bon, et quand on te donne un nom, on dit c'est telle maladie, et puis tu fais avec. Ah non. Ils ont cette capacité de vous donner des maladies parce qu'ils ont ça. Ils peuvent le faire. Amen. Amen. Et quand tu n'as pas Dieu et tu contrôles, ils contrôlent tes finances. Et la chose qu'ils attaquent le plus, le mariage et les finances. C'est ça qui fait mal parce qu'ils aiment beaucoup attaquer l'amour. Ils viennent puis les finances. Ça se déséquilibre et tout ça t'empêche de pouvoir te concentrer pour chercher Dieu. Ah oui. Et leur but c'est de déconnecter de Dieu, de te tuer. Ce serait que celui qui n'a pas Dieu, il est en danger. Oui. C'est vrai, le prophète est venu à Paris, tout le monde coucou. Mais et après? On veut son île, bon, et après? Vous devez vous connecter à Dieu, vous devez prier. Amen. Amen. Moi, ça ne me gêne pas de prier pour un musulman. Non, ça ne me gêne pas. Non, ça me gêne même. Je prie même pour les musulmans. Je mets chez eux, je prie pour eux. En ce qui concerne le changement de communauté, ça appartient à Dieu. Je te dis ça. Mais si tu penses que le prophète Frasso est une notion, moi, je prie pour toi. Il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème. Les gens viennent, je prie pour eux. Mais pour dire, il faut que tu aies Dieu dans ta vie. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, c'est un problème. C'est vraiment un danger. Il n'y a rien qui ne prie pas. Mais ils peuvent regarder la télévision jusqu'à 4h du matin, sans problème. Mais quand ils vont après, ils vont dire, Seigneur, mon Dieu. Tu es possédé. Là, tu es possédé. Pour Dieu là même, tu es Seigneur, mon Dieu. Le nom de Jésus ne sort pas. À terre. Tu vas son nom. C'est le diable est dans ta vie. Il t'empêche d'être en couple. Écoutez, il est l'alpha, il est le méga. Il doit être au commencement et à la fin. Tu démarres avec lui la journée. Et cette journée-là était une mauvaise journée. Mais tu ne peux pas me dire au départ. Nous ne pouvons rien sans lui. Oh bien. Toi, tu es qui?
tu les matins, tu pries même pas. Tu t'attends à quoi au cours de la journée? Mais c'est ça le problème. C'est ça ton problème. C'est pas une question d'un prophète qui doit venir t'imposer les mains. Tu t'attends à quoi? Quand tu te lèves, c'est Dieu qui doit conduire ta journée. C'est lui. C'est lui. Il faut confier. Nous ne pouvons rien sans Dieu. Au coucher, il faut le conduire. Ta couchette, c'est Dieu. C'est cela que le psaume 4, verset 9, ne jouez pas ce verset. Le psaume 4, verset 9. Ce verset-là, quand vous voulez dormir, répétez ça 7 fois. Je me couche et m'endors en paix, car toi, Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Psaume 4, verset 9. Quand vous finissez de reprendre le psaume, vous rentrez dans un esprit d'invisibilité. C'est fini, la sorcellerie est douce. Parce que c'est une confession de foi. C'est une déclaration de foi, je me couche et m'endors en paix, car toi tu me donnes la sécurité de ma demeure. Voilà, tu as fait une déclaration prophétique. Le Seigneur a oublié de te protéger. On m'a bien saisi. Ça va? Le psaume 4, verset 9. Le psaume 4, c'est le verset 9. Le psaume 4, verset 9. Amen. Voilà, le psaume 4, le verset 9, je me couche, je m'endors en paix. C'est dans la nuit que le diable travaille. Ils sont là pour les puissants, les puissants, les ténèbres. Eux, ils travaillent beaucoup dans la nuit. C'est pour ça que si vous avez un combat spirituel, que vous voulez livrer le combat, commencez à partir de jeudi jusqu'à samedi. Ce sont les 3 jours, jeudi, vendredi et samedi, ce sont les jours de combat. Si vous sentez une oppression, vous sentez que quelque chose vous attaque, qui est en train de vous faire perdre quelque chose, c'est ça le problème. Parce que vous avez l'impression que vous avez gagné le foyer, et puis vous voyez que quelque chose est en train de venir détruire ça. Ça ne te surprend pas, tu vois la chaîne de ligne. Mais il faut te lever dans la prière. Est-ce qu'on a bien saisi? Lève-toi dans la prière, parce que le diable va toujours te combattre. Ils combattront les bonnes choses. Lève-toi. Mais tu dors, tu comptes chez qui? Non, ça va s'arranger. S'arranger comment? Ça va s'arranger comment? Pardon? Dieu peut t'arriver ça. On va bien servir. Maintenant, je vous parle de quelque chose. La transition entre les mois. Vous voyez le mois d'avril. Le mois d'avril va passer, il y a un dernier jour de du mois pour accéder au mois de mai. Ce petit truc-là, c'est vraiment très important. Entre les mois, là, c'est vraiment important. Quand finit le mois, non, je vais aller doucement. Soyez bien gentiment. Soyez beaucoup gentiment. L'audia, le prophète du coup devant seulement, il ne peut pas gagner. Mais la prière, là, ça va. Vivez votre foi. Amen. Dans cette transition, un mois, un autre mois, ne jouez même pas ça. Vous devez prier pour confier le mois. Vous avez déjà entendu le mois d'avril. Mais le mois d'avril a ses réalités. Le mois d'avril vient avec ses difficultés. Le mois d'avril vient avec des bénédictions, en même temps des difficultés. Parce que le diable, il programme. Voilà, il programme. Donc, quand tu veux accéder au mois de mai, ce mois d'avril, ça finit à combien? 31 ou 30? Ok, 30. Donc le 30 là, le mois d'avril, le 30, la nuit, minuit, ne négligez jamais ça. À 0h, vous êtes déjà en mai. Vous savez que l'horaire change. On vous déjà dit, à partir de minuit, vous êtes dans le mois déjà de mai. C'est à cette heure là que vous devez posséder le mois de mai. Ça se possède. Il y a des gens qui ne savent pas, ils ont perdu beaucoup de choses. Quand vous possédez le mois de mai, mais avant de posséder le mois de mai, vous devez parler au mois de mai. Le mois de mai ne vient pas, selon Dieu, pour te faire arracher un mari, pour te faire arracher un emploi, pour te faire arracher des choses. Mais selon le diable, il positionne pour que tu échoues. Donc, toi, tu te lèves. Écoutez, il y a des choses que Dieu ne fera pas à vos places. Parce qu'il vous a déjà tout donné. Est-ce qu'on a bien saisi? Il dit, je vous ai donné le pouvoir. En attendant, tu donnes le pouvoir pour l'exercer. Mais c'est ton autorité. Et on assis, on pense que Jésus, tu m'as laissé. Mais c'est drôle. Il dit à mon nom.
Voilà, à mon nom. Je vous donne le pouvoir à mon nom. Maintenant, vous avez le pouvoir de Jésus. Vous jouez ça. Le diable voit que vous jouez ça. Voilà, donc, cette transition-là, parce que c'est ça. Le mois de mai, vous commencez à prier pour que la mort, l'échec, la pauvreté, tout ce que le diable a programmé contre toi, tu annules ça. Et puis, au nom de Jésus, et tu possèdes le mois de mai. Mois de mai, tu as pour moi un mois de bénédiction. Il y a des choses qui ne doivent pas m'arriver. Quand tu fais ça, c'est fini. Le mois est écouté ce que j'avais. Elle m'a bien saisi. Je vous ai dit, la Bible dit, au commencement était la parole. Et rien n'a été fait sans la parole. Et vous jouez ça. C'est la parole. Le mois de mai, tu n'as rien dit au mois de mai. Donc, c'est ce qu'on sème qu'on récolte. Vous savez ça? Hein? Amen, amen. Vous savez ça un peu? Amen. Luc, allez-y dans Marc 4, le verset 14. Et le semeur sème la parole. Ne jouez même pas la parole. Si vous voulez voir un enfant évoluer, déjà vous commencez à parler au ventre du bébé. Pendant que le bébé est dans le ventre, commence à parler au bébé. Si tu veux que je sois un meilleur footballeur, commence à dire à s'aimer ça. Tu vas commencer à se produire. Parce que la parole est une semence. La parole est une semence. C'est pour ça que maintenant, à partir de maintenant, avant de te coucher, ce que tu veux avoir, dis ça sur ta vie. Tu peux changer ta vie par rapport à ces déclarations pour toi. Pourquoi la malédiction agit? C'est une parole maldite. La bénédiction, c'est la bonne parole. Si tu es le meilleur footballeur, tout dépend de toi. Tu fais la déclaration, ce n'est pas quelque chose. Tu fais une déclaration et tu prophétises. C'est toi des choses. Ça va arriver. Parce que tu auras semé quelque chose sur toi. Allons-y, Marc 14, verset 14. Dis la parole de Dieu avec amour et vie. Marc 4, verset 14. Le semeur sément la parole. Vous comprenez? Le sément, c'est la parole qui est sément. C'est ce qu'on sème qu'on retente. Toi, tu as sémé quoi? Rien. Si elle nous rencontre, vous savez comment dire, c'est l'amour de ta vie. Mais il faut s'aimer l'union. Il faut s'aimer. Parce que l'ennemi viendra de tout ça. Et le sément, sément la parole. Rien ne se fait sans la parole. C'est pour ça qu'avant d'entrer dans le mois de mai, il faut que le mois de mai reconnaisse tes déclarations prophétiques. Le mois de mai tiendra compte de tes déclarations prophétiques. Si tu n'as pas fait des déclarations prophétiques, mais tu vas échouer. Tu m'as bien saisi. Vous savez que la négligence, la spiritualité horreur de la négligence. Non. Or, nous sommes beaucoup négligents. Vous comprenez? Et c'est ça qui fait que le gars prend le dessus sur nous. Parce que tu es persévérant. Vous connaissez la portée de la parole. Donc ne jouez pas ça. Il faut que vous révoltez. Sois un homme de prière. Sois un homme spirituel. Deviens spirituel. Et quand tu vas commencer à être spirituel, les gens vont commencer à t'attaquer. Ah non, tu vois tout partout. Mais oui, le diable, il est partout. S'il vous plaît, il est partout, le diable. Ce n'est pas de l'amusement, il est partout. Une fois que tu vois le diable, tu veux ou pas, il est là. Que tu ne voyais pas ou pas, il est là. Il suivait toujours Jésus. Il attendait au bon moment pour le livrer. Vous comprenez? Oui, il attendait au bon moment pour le livrer. Donc c'est pour ça que, bien aimé, il faut être spirituel. Soyez spirituel. Si vous devenez spirituel, le diable va s'éloigner un moment de vous. Ça m'a bien saisi? Si ton foyer est échoué, c'est que toi tu n'as pas été spirituel. Parce qu'il y a des choses que Dieu te donne. Et quand tu négliges, tu perds. Ça va? Tu vas mettre convaincu que c'est ça. Il faut sécuriser dans la prière, c'est tout. Tu es convaincu que c'est ça. Ne joue pas ça. Priez pour votre foyer. Le diable attaque tout le foyer. Il attaque les personnes qui s'entendent, qui servent. Il attaque ça. Très bien. On m'a bien saisi. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui ne croit pas la spiritualité, c'est qu'il a un problème. Que tu croies à ça ou pas, Dieu existe. Ce n'est pas toi qui vas changer ça. Tu ne changeras rien de ça. Amen. Donc devenez spirituel. Le diable peut vous donner une maladie. Moi, j'étais dans une région qu'on appelle Fresco, où une sorcière dit, j'ai donné sida à 26 personnes. Il y a des vidéos sur vous montre, il y a des choses, on ne vous montre pas ça dans nos archives. C'est pour nous-mêmes en train de faire des choses, ça nous aide par rapport au livre, parce que je reviens là-dessus pour voir beaucoup de choses. Elle dit si, elle dit oui. Donc elle donne le nom des gens. On va les chercher. Elle lui dit, mais depuis quand il est couché à toi? Il est fâché, il veut frapper la fille. Elle dit, non, mais la nuit, je suis venu, il n'y a plus une sérène. Il était injecté sida.
Le gars lui a dit, attends, arrête tes conneries là, tu manges. Maintenant là, en Afrique, hein, ici, là, vous connaissez ça déjà, il y a des trucs de dépistage, c'est des petits bouts de papier que vous mettez là-dessus. Si tu as ça, en quelques minutes, on sait. Quelques secondes. Donc dans l'infirmerie, en fait, du village, on va prendre le truc, le papier, on met le sang, on met le sang dessus. Voilà. Il est fâché. Oui, mais parce que tu dors. C'est ça. Vous parlez, parlez, critiquer là. Vous avez tant pour ça. Là, on ne dort pas. Mais vous priez la Seigneur. Tu y es. Ça y est, tu es possédé. Le diable ne te donne pas l'occasion de parler avec toi. Non, j'aime le Seigneur. Mais tu l'aimes comment? Tu ne veux pas faire 5 minutes dans la prière. J'aime le Seigneur comment? Mais j'aime le Seigneur comment? Quand on aime une personne, on aime partager beaucoup de choses avec cette personne. Toi, tu aimes le Seigneur comment? Non, j'aime le Seigneur, il est, mais comment tu ne plais pas? Et c'est ça ton problème. Parce que le jour où tu vas comprendre que la prière est une arme pour toi, c'est fini. Tu prends le dessus. C'est tout. C'est la prière. Et il vient travailler la nuit. C'est dans la nuit qu'il a arrêté Jésus. L'arrestation de Jésus s'est faite dans la nuit. C'est dans la nuit qu'il nous repère. Ce sont les puissances des ténèbres. Les puissances des ténèbres. Amen. Amen. Est-ce qu'on a bien compris? Amen. Donc on appelle les 26 personnes et on fait les tests. Ils ont tous des sida. Donc je parle à la fille. Mais les photos, on a les images. Hein. On a les images, il y a Divo, tout ça. On dit la fille, mais comment c'est passé? Elle allait. Elle est tombée dans une tente, elle est tombée, elle a rampé, tout ça. Puis c'est là qu'elle est sortie. Parce que, mais oui, il fallait que j'aie ça. Moi, quand je vais dans le village, là, moi, c'est ce qu'ils font pour leur arsenal de sorcellerie. Là. C'est ça qui m'intéresse. Pour ne plus que les gens utilisent pour attaquer les gens. Il faut que tu fasses sortir. Avant que je sorte du village, on a pris ça, on a cassé. On a pris l'huile, on a fait boire aux gens, on a prié pour eux. Ils sont répartis. Ils ont tous, j'étais tous guéris d'ici. Il y a ce qu'on appelle les maladies mystiques. Moi, je crois à ça. Parce que moi, j'étais victime de ça. La science a rencontré là, eux souvent qui vous mènent dans les maladies, souvent on a l'impression que c'est telle maladie, puis le médecin même l'a perdu. Et puis tu donnes les médicaments qui te détruisent. Les médicaments vont détruire tes reins. C'est pour ça que bien aimé, lui vous voyez là, il ne faut pas ça marcher. Quand vous parlez de ça, vous prenez le prophète, mais c'est après de lui. Ne manquez pas chez vous. Dès que vous prenez lui, vous prenez lui. Quand vous voyez quelque chose, son visage, vous prenez lui. Il y a un frère ici là-bas, il a donné l'huile à un de ses amis. Il me rend le témoignage. Le monsieur a déféqué les insectes. En Atlanta, j'ai parlé même avec lui aujourd'hui. Merci, j'ai parlé le monsieur. Il a plus l'huile là. Le monsieur avait déféqué là. C'est les insectes. C'est-à-dire qu'il vivait avec les esprits dans son corps. La colère qui t'a mis souvent, tu es énervé, tu ne fais pas là. Et puis après ça, tu dis, mais pourquoi? Mais c'est un esprit. C'est un esprit. Tu viens que quelqu'un pour changer, il y a un changement dans sa vie. Mais c'est un esprit qui vient le posséder. C'est pour ça qu'il y a moins de manger, prier. Bien aimé, prier. Le diable, il agit. Puissant. Prier. Moi, je ne suis pas convaincu de quelqu'un, je ne mange pas chez toi. Moi, j'ai toujours dit aux gens. Je suis dans un domaine de sorcellerie. Là. C'est pas fait. Je te fais pas confiance. Je ne mange pas. Parce que dans l'aliment, on peut t'avoir. Facilement. Parce que la nourriture va dans le sang. Or, dans le sang, se trouve là. Si tu n'as pas eu spirituellement, il va t'inviter à boire ou manger. C'est son plan B. Les sorciers, vous voyez là. Si vous attaquez la nuit, quand on n'a pas arrivé à vous avoir, c'est dans la nourriture, dans la boisson. Il va tout mettre avec camarades de toi. Il va te rassurer qu'il est bon. Mais pas lui de Dieu, la prière. S'il refuse, il ne faut pas être camarade de quelqu'un comme ça. Que les choses de Dieu. Tu vois qu'il est gentil, cette gentillesse. Mais même que tu ne dis pas de Dieu, ça ne l'intéresse pas.
Il faut commencer à te méfier. Parce que quelqu'un dont la gentille n'est pas basée sur Dieu, c'est une couverture. Le diable est très rusé. Ayez le discernement. Hein? Ouh, il est, on dit il est comme un lion. Souvent il porte la peau. Il est comme. Donc il va s'approcher de toi. Et puis toi, tu penses que non, la personne est gentille, elle t'offre ça. Mais elle vient en mission. Ça peut prendre 2 ans, 3 ans. Prouver qu'elle atteint son objectif. Quand c'est fini, là, elle retourne. Tu as mangé, c'est fini. Prends ton âme. Prends ton âme, c'est facile. Il peut brigander ton âme. Tu es là et ton âme dans une bouteille. Ce n'est pas des illusions. C'est une vérité spirituelle. Tu es là. Et puis toute ta carrière est dans bouteille. Je suis allé dans un village. Les gens m'ont dit ici, prophète, ici là, il y a un dragon. Nous on appelle ça Bagbamelin. Bagbamelin. Dragon. Que le dragon là, lui, il boit le sang de l'homme. Tu. Mais on avait un prêtre ici qui est venu faire sa première messe. Quand il est sorti de l'église, bénissons le Seigneur, notre Dieu. Amen. Il est tombé devant l'église. Il est mort. Pour l'enterrer. Donc, pour faire, voyez, ça tombe. Ici, là, même les pasteurs, même on les tue. Dis-moi, ne coupe pas pour faire ma chair. Il y a les gens pour tuer, moi, mais depuis sur Jésus. J'étais à Goro, c'est pour ça qu'il a tapé le serpent, vous avez vu dans la termité. Il dit, parce que moi, quand je rentre dans un village, c'est ce qui cause le désastre, ce qui vous tue là, c'est ce qui m'intéresse. Une fois qu'on a pris les sorciers, ils viennent s'allier. On a discuté, on dit non, professeur, tu as pu prendre le serpent. Parce que c'est ça que le serpent existe. C'est ce qu'ils envoient, tout ça. Je me suis bien apprêté. Pendant que je chantais, l'esprit en dit va. C'est déjà là, c'est déjà là. Il faut que votre foi soit solide dans le Seigneur. Dans le feu de Dieu, là, ce n'est pas de la peu près. Où tu es vivant. Où tu es vivant, où tu n'es pas vivant. C'est vous voyez la paix. Ce n'est pas les montagnes, c'est vrai, vrai. Rentrer dans le village, c'est vrai. Les gens m'ont dit, je ne crois pas que toi tu vas sortir vivant de Goron. On appelle le village Goron. Je n'ai pas sorti de Goron. J'ai dit, mais vous vous rencontrez des bêtises. Jésus a vaincu la mort. Que des menaces de mort ne vous effraient pas. Amen. Amen. Il dit, vous allez mourir, il a dit. Jésus-Christ a vécu là. On donne du panique. Dans la panique, tu prends ton âme. Amen. Moi, si je me dis, tu vas mourir, il dit, mais Jésus a vécu là-bas. Ah, prophète, on a vu la nuit là, un son chez toi. Comme ça, il dit, c'est le voisin que j'avais vu. Moi, je crois à ma destinée. Je crois à ma destinée. Qui peut venir m'embrouiller ça? Je sais où je m'en vais. Quand quelque chose ne va pas, je règle ça puis je continue. Je crois à ma destinée. Ce n'est pas tes rêves là qu'on me panique. Amen. Amen. Donc soyez enracinés dans le Seigneur. Amen. Amen. Ne paniquez pas. Jésus-Christ est puissant. Soyez des hommes de prière. Comme je disais souvent, la prière ne suffit pas. Il faut des actions. Ce que vous avez fait hier, ça vous a déconnecté. Amen. Donc tout à l'heure, quand je vais vous recevoir, j'ai une parole que j'ai semée, ce qu'on appelle la parole prophétique. Amen. Pour que beaucoup de choses se règlent et se mettent en œuvre. Mais ta relation avec Dieu ne joue pas. Comme je disais aux gens, vous devez prier que vous fumez la drogue ou la cigarette. Qu'est-ce que vous cherchez? Il y a des choses, n'est-ce pas? Ce corps. Donc il y a des choses que vous ne devez plus faire. Parce que ça vous déconnecte de Dieu. Est-ce qu'on m'a bien saisi? On m'a bien saisi. Sinon Dieu n'est pas loin de nous. Mais la Bible nous dit dans Esaïe 59, vous pouvez écouter Esaïe 59, Esaïe le chapitre, Esaïe 59. Pourquoi Dieu ne vous invite pas? Pourquoi? Vous la passez, allons-y, Esaïe 59. Esaïe 59. Commencez entre, vous allez faire ce que vous avez demandé de faire à partir de demain. Esaïe 59, verset 1, allons-y.
Je lis la parole de Dieu, Ésaïe 59, le premier verset. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Vous comprenez, sa main n'est pas trop courte pour sauver. Ni son oreille trop dure pour attendre. Ni son oreille trop dure pour entendre. Au verset 2, mais ce sont. Mais il y a un problème. Ce qui fait qu'il ne te sauve pas, ce qui fait qu'il ne t'entend pas, ce sont vos crimes. Très bien, tu arrêtes là. Tu as poursuivi. Vos crimes. C'est-à-dire, mais depuis quand il a tué, le fait même de critiquer, en vouloir quelqu'un, c'est un crime. Hein? Mais tu les critiques pourquoi? C'est pour le tuer. Qu'est-ce que tu crois? Ça peut rigoler. C'est tellement courant. Il dit, ce sont vos crimes. Depuis quand vous l'avez tué? On combat les crimes sanguins. Celui qui a de la haine pour son prochain est un maître. Nous, dit l'épée de Jacques. Le Jean plutôt. Celui qui a de la haine. C'est quelqu'un qu'on n'aime pas qu'on critique. Parce qu'il y a les critiques, vous faites avancer. Mais vos critiques bizarres de sorcellerie, là, il faut quitter dedans. Tu n'es pas obligé dans la fête de quelqu'un. Tu n'es pas obligé d'être déjà. Toi, tu vis ta vie, vis ta vie. Mais pourquoi c'est la fête de l'autre qui t'intéresse? Qui parle de ça, qui parle de ça, tout le temps. Et puis tu penses que Dieu va te regarder. Attends, c'est sa vie, c'est sa vie. Toi, tu vis ta vie. Pourquoi c'est sa vie qui t'intéresse? Il y a quoi l'insulter? Il y a quoi le faire ça? Il y a quoi le vilipender? Tu gagnes quoi? Tu as quel intérêt? Mais c'est l'œuvre du diable. Parce que le diable, lui, il détruit. Donc, c'est les crimes. Parce qu'en l'exposant, écoutez, vaut mieux aider qui le détruit déjà. Si tu ne peux pas aider quelqu'un, il ne faut pas le détruire. Tu ne peux pas l'aider, ne sois pas la balle sans destruction. La chrétienté, c'est d'apporter de l'aide. C'est ça. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui est fort aide le plus faible. C'est une parole biblique. Il dit, ce sont vos crimes. C'est pour ça que par moment, vous priez, vous n'êtes pas exaucé. Parce que ce qu'il vient de dire, à l'égard de ton prochain, parce que regarde, la loi de Dieu se résume à quelque chose, l'amour. Tu aimeras ton prochain. Hein? Vous connaissez ça? Vous connaissez le verset? Ça, oui. Oh là là. Maintenant, pour la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à les mettre en pratique. Dieu est pragmatique, il faut les mettre en pratique, c'est pas seulement écouter. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, non? Est-ce que tu vas accepter qu'on te critique? Non. Pourquoi tu fais tout ça? Tu n'es pas l'enfant de quelqu'un, il faut quitter dedans. Quand ça vient, tu dis Seigneur, pardon, que tu quittes. Tu laisses ton Dieu. Si tu peux prier pour lui, prie pour lui. Moi, je ne suis pas l'enfant de dénigrer un pasteur. Il y a des gens, ils ont des chiens chrétiens, ils disent, pensent que les chrétiens chrétiens, ils dénigrent les pasteurs sur les réseaux sociaux, ils insultent. Ça, ce n'est pas un ministère de Dieu. Un ministère de Dieu, c'est de prier pour les gens. On nous dénonce le diable. On va sur le terrain pour attaquer le diable. Vous, chaque jour, c'est vous qui attaquez les pasteurs, c'est vous qui attaquez les temps, c'est vous qui attaquez les temps, c'est vous qui attaquez. Ça, ce n'est pas un ministère. Ce n'est pas un ministère. Le ministère, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous annonçons la bonne nouvelle du royaume. C'est d'aller partout. Allez sur les réseaux sociaux, vous essayez les gens, parce que c'est fait pour ça. Dieu n'est pas, c'est fait. Mais un homme, un chrétien de l'État chrétien, il ne doit pas dénigrer son prochain. Tu aimeras ton prochain comme. C'est ça. Moi, c'est ça. J'ai dit aux gens, moi, je veux vivre ma vie chrétienne. Ma vie que je suis. Je suis d'abord chrétien avant d'avoir d'être un serviteur de Dieu. D'avoir ma vie chrétienne, cette relation-là, c'est ce qui va m'amener au ciel. Ce n'est pas ce que Dieu fait au travers de moi. Ça, ça n'a rien à voir. C'est lui qui le fait. Il guérit, il délivre les gens. Ça, c'est lui qui le fait. Mais moi, j'ai des comptes à rendre demain par rapport à ma chrétienté. Et c'est ça, chacun d'entre nous. Nous aurons un jour compte à rendre à Dieu par rapport à notre vie chrétienne. Et donc, il faut entretenir cette relation avec Dieu. Donc, il y a des choses que vous devez éviter de faire. C'est pour ça qu'il faut chaque jour accomplir la volonté de Dieu. Or, à Paris, vous êtes expert en critique. Les numéros, c'est ici, mais il y a école de ça. Il y a école de ça. Parce que vous êtes voisins. Vous attendez, vous quoi la même chose, l'argent qu'on avait, l'argent qui s'est. Vous quoi l'argent quoi? D'accord. Et voilà, pour ça. Donc vous êtes là, vous babadez sa main, vous partez danser, bébé, zouglou.
l'argent, vous allez vous abonner. Mais vous dites, mais si vous ne quittez pas dedans, Dieu s'éloigne de votre maison. Il y a des petites choses qui peuvent t'éloigner de Dieu de toi et par là. Ah oui. Quand quelqu'un critique, c'est ça. Et l'Éternel ton Dieu maintenant. C'est bien après. L'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toutes tes forces, mais ton prochain comme toi-même. Celui qui a compris ça, accomplit la loi et les prophètes. C'est ce que nous dit Jésus. C'est pour ça que moi, quand je vais dormir, je prie mon cœur. J'aimerais que ce cœur-là soit plein d'amour. Parce que si j'ai beaucoup d'amour, il y a des choses que vous n'allez pas faire. Ça, c'est clair. Il faut que Dieu installe l'amour. Parce que le Saint-Esprit, c'est le fruit qui va installer. Il sera puissamment en vous. Le fruit, c'est l'amour. Jésus-Christ est caractérisé par l'amour. Le diable, c'est la méchanceté. C'est pour ça qu'on reconnaît là par ce fruit. Cette capacité de partager, de pouvoir aider. Tu n'es plus aider, tu n'es pas comme enfant, tu n'es plus petit Christ. Est-ce que c'est pour ça que la Bible dit que vos crimes, parce qu'en longueur de journée, tu es en train de détruire quelqu'un. Et ça, les maladies peuvent venir. Or, la sorcière aime bien ça. Le diable sait que tu es hors jeu. Tu n'es plus dans la présence de Dieu. Donc, il rentre dans ta maison et te frappe. Il dit, ce sont vos crimes. Allons-y, ma fille. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Vous comprenez? Une séparation. C'est-à-dire que quand il y a séparation, tu es avec lui. Hein? N'est-ce pas? Tu es avec lui. Il y a quelque chose qui vient. Ce que tu as fait là, il vient de mettre une séparation. Ça fait que Dieu s'écarte de toi. Il s'éloigne de toi. Oui, allons-y. Entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés. Le péché, c'est la désobéissance. Sa face. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Quand tu vas et chercher le mari de quelqu'un, le pouce de fouté. Tu te vois comme ça. Seigneur, aide-moi, il ne peut pas t'aider. T'es sorti le mari de Suzanne. T'es sorti la femme de quelqu'un. Ici, là, c'est comme ça, conférence. Chacun de la même femme, on la voit, elle a plus, elle est sortie, plusieurs gens. Ça, c'est pas une vie. Quand vous vivez cette vie, ça veut dire qu'il y a un esprit qui nous contrôle. Votre corps n'est pas fait pour, à plusieurs hommes. Est-ce que vous m'avez saisi? Quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un esprit dans ta vie. Parce que quand quelqu'un qui est un mystique couche avec toi, il prend quelque chose de toi. Là, je vais lui expliquer ça. Mais là, ta faim, c'est ça le problème, ta faim. Sera terrible. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Ayons le discernement. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Quand on est dans une question de volonté de Dieu, Dieu nous soutient. Amen. Dieu soutient celui qui fait sa volonté. Amen. Il s'écarte de celui qui n'est pas prêt à faire sa volonté. C'est tout. C'est pour ça que la Bible dit que l'ange de l'Éternel tend au-dessus de tous ceux qui le craignent et les arrache. Voilà. C'est l'ange de l'Éternel. Campe au-dessus de tous ceux qui les arrachent. Il les arrache du danger. Il campe, c'est-à-dire il veille sur tous ceux qui le craignent. Et les arrache du danger. Le rite va commencer à craindre l'Éternel. Tu verras Dieu te protéger. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien saisi? Amen. 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 Nous sommes dans le monde des secrets. Amen. Amen. Si vous avez un projet d'affaires, prenez-lui, mettez-le dans votre main. Si vous savez que quelqu'un vous a donné rendez-vous, vous êtes convaincu qu'il y a le rendez-vous, vous connaissez le nom du monsieur, c'est pas fait de sorcellerie. À minuit, 1h du matin, commencez à traiter le monsieur. Tout c'est pas dans le spirituel. Amen. Tout c'est pas dans le spirituel. Quand vous finissez là, c'est quand un de mes enfants spirituels, il a acheté une belle voiture, il me soutient. Et puis un matin, il m'appelle, il dit, ah, les gens veulent, trois personnes ont pris au service pour faire les points. Et quand tu grilles arachide là, et les petits graines d'arachide, vous pouvez dire, on n'y a pas dans la bouche de Jésus. Ils ont vu là, il y a beaucoup d'arachide. Ils ont vu beaucoup de graines d'arachide. Donc ils ont vu les traces. Directement, il m'a expliqué. Ok. Comme il me soutient, je suis allé parler à Dieu. Donc le monsieur dit matin,
Parce que c'est les experts, ils sont venus faire audit. Ils ont vu tellement de choses. Je lui ai dit, donne-moi le nom de ceux qui veulent te rencontrer demain. La chercheuse, après une heure, il m'appelle, il me donne. Je lui ai dit, va dormir. Dors! Si t'ont renvoyé, insulte-moi. Moi, je suis allé dans le spirituel. Je n'ai pas pu dormir qu'à 4 heures du matin. Je les ai matés très bien dans la prière. Oh, quand vous connaissez le spirituel, c'est trop intéressant. Vous savez, le diable est triché Dieu. Quand vous allez les voir, c'est lié les attaches, plus noires, plus blanches. C'est ça qu'on appelle lié. J'ai bien lié les gens. Avant de partir, j'ai prié pour lui tranquille. Là. Va! Il n'y a pas quelqu'un parmi eux qui va te livrer le cœur. Parce que j'ai réglé ça sur le plan spirituel. Pendant que Mardoché, vous savez, Esther était une reine. Et il y avait une loi qui était établie dans ce royaume-là. Et il y avait un certain Aman qui en voulait à Mardoché. Et ce monsieur-là va dire au roi de prendre un décret contre le peuple juif. Mardoché se retourne pour dire à Esther, voici cette histoire, il dit, hey. Et la loi, il dit, ok, tu veux ou tu ne veux pas, je sais que notre délivrance viendra de l'Éternel. Ils se sont mis dans un moment de prière. Les choses ont changé de camp. Et à cette période-là, le roi, la Bible dit que le roi n'a pas dormi. Il lisait la nuit de chronique. Si vous rentrez dans la spiritualité, il n'y a pas quelqu'un qui va vous chasser de votre service. Tu connais son nom, tu le marques. Une heure du matin, fait pour régler ça. Moi, je suis prophète, je ne suis pas venu vous dire, péché, tu connais, comme ils allaient chercher le mari de quelqu'un là. Tu sais que ce n'est pas bon. Ce n'est pas pour faire tragique là qui dit ça. Mais c'est les secrets là que j'ai te donné. Moi, j'ai les secrets. C'est les secrets qui apportent la grandeur. Ce sont appelés la connaissance spirituelle. C'est ce qui apporte. Jean 3, verset 16, Dieu aimait le monde, il a donné son fils, ça l'on connaît. Il y a les secrets. Quand il est fini, j'ai dit, va, il tremblait. J'ai dit, moi, tu crois au prendre, moi, il est lié. Ils ne te feront rien. Parce que je me suis basé sur le principe, le soutien que tu apportais, moi, de ma vie, j'ai présenté ça à Dieu. Et c'est ça. Quand le roi a pris le livre, il a vu ce que Mardoché a fait pour lui. C'est pour ça que, bien aimé, n'oubliez pas d'investir dans l'œuvre de Dieu. Ça va vous aider demain. Ça t'aidera demain. Ah, prophète, tu ne penses pas à moi. Je pense à toi, Christ. Tu ne peux pas la maison. Tu ne peux pas la voiture. Mais quand il me lève le matin, il pense à Suzanne. Toi. Tu n'as pas crié ça. Mais quand il me lève, quand il me dit, Suzanne, mais sur là-bas, il faut qu'elle prie pour elle. Lis le verset, le psaume 20, le verset 4, vous allez comprendre. Psaume 20, le verset 4. Vous savez pas que quand vous voyez un prophète, c'est une source de bénédiction. Investir en lui. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre. Le monsieur venu prospère. Grave. Je lui ai dit, le jour où tu arrêtes, le robinet s'arrête. Ah mais toi-même tu veux, tu mets quelque part, tu es béni, hein? Tu as arrêté. Ah tu me regardes. Je suis sûr de bénédiction. Tu es béni, tu as allé arrêter, tu as allé faire quoi, tu as arrêté. Parce que Dieu t'a mis là pour ça. Nous on est là pour prêcher. Je vais vous mettre là pour vous soutenir. Chacun a son ministère. Ah, vous avez bien compris. Nous, on prêche, on va délivrer les sorciers au village. Mais toi, ton argent, là, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand tu refuses de donner, tu n'es pas béni. Quelqu'un qui me soutient. Et puis, on le renvoie. Viens manger quoi? Même s'il a fait. Ah, pardon. Vas-y, l'envoie sa image. Quand on a fini de donner le conseil, vous dites, vous m'aidez doucement. Quand la Chine a pardon, doucement. Les gens sont pour moi. Vous m'aidez à la Chine dans la mâchoire. Je comprends un peu après.
Oui, on a l'impression qu'on les attrape. Vous comprenez? Donc, les hommes de Dieu, vous voyez là, elles versissaient en eux. Moi, quand tu commences à toucher mon ministère, tu commences, mon regard est tourné vers toi. Parce que tu es une source de bénédiction pour mon ministère. Tu ne te lâches pas. Je prie pour toi. Ouais, je prie pour toi. C'est ça, quand vous voyez les gens, vous voulez qu'on vous bénisse, mais la meilleure stratégie pour vous connecter, c'est d'investir dans le ministère de mon ministère. La connexion reste. C'est ce que vous savez pas. La connexion reste. Vous allez beau faire, vous restez gravé de son âme. Quand il se réveille, pense à vous. Moi, il y a des gens, quand ils me lèvent, je dois forcément parler sur eux. Parce qu'ils sont pour moi une source de bénédiction. Ils m'amènent souvent des fardeaux. Et puis, souvent, les gens m'appellent pour dire tant, tant, tant. Mais un monsieur comme ça, une femme comme ça, mais j'arrête pas de prier. Quoi. Allons sur le psaume 20, le verset 4. Psaume 20, le verset 4. Qu'ils se souviennent de toutes tes offrandes. Amen. Amen. On dit qu'il se souvient de toutes tes offrandes. Allons-y. Et qu'il agrée tes holocaustes. Très bien. Et puis, ce qui suit. Le verset 5, qu'il te donne ce que ton cœur désire. Amen. Ça s'acclame ça. Amen. Pourquoi moi j'ai conçu l'orphelinat? Parce que c'est un source de bénédiction. Amen. Il y a des choses, ça déclenche forcément. Dieu oublie de te regarder. Pourquoi les grands, les musulmans, ils font le monde? Parce que le secret spirituel, c'est donner puis recevoir. Quelqu'un qui ne donne pas, il reçoit. Dieu ne donne jamais. Il ne reçoit jamais. Et donc j'ai compris. Quand tu commences à t'occuper des gens, quand tu commences à t'investir dans la vie des gens, quand tu commences à t'occuper des orphelins, des veuves, Dieu est obligé d'ouvrir les portes. Quand tu commences des cieux sur toi, quand tu commences à t'investir dans le ministère d'un homme de Dieu, Dieu bénit. La Bible dit, même Jésus, son ministère était soutenu par les femmes. Ah, vous savez pas ça? Son ministère, c'est les gens qui soutenaient son ministère. Lui, il prêchait la parole, mais c'est les gens qui soutenaient son ministère. Soyez un appui, un support pour les ministères, pour les hommes de Dieu. Et ça, le Seigneur est obligé de répondre cette tension sur votre vie. Quand vous soutenez un homme de Dieu, l'onction de sa vie, là, ça tombe sur vous. C'est une couverture spirituelle. On ne donne pas forcément qu'on a beaucoup. On donne qu'on a peu. Et c'est à partir de là que Dieu commence à bénir. Non, je n'ai rien. C'est pour ça que la femme, la veuve de Sarepta, elle avait un peu. Dieu lui donne. Ce qu'elle a donné à Élie était béni. Abraham. Il dit, j'ai un unique, Dieu lui donne le fils. Donne. C'est qu'il a donné le sacrifice d'Abraham, d'Isaac, qu'il a été béni. C'est une alliance. C'est tout. Si tu sais que tu as commencé à voir les blocages financiers, tu commences à t'investir. Parce que ton argent, ça ne sert pas pour le royaume. Donc Dieu, ça ne lui dit rien. Que tes finances soient gâtées. Tu n'es pas concerné dans le fait de Dieu. Pourquoi Dieu va reconnaître? Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Bon, les gars l'ont vu le matin. Ah, ils l'ont salué. Pourquoi arrêter de faire ça? Mon fils, il y avait les problèmes, les trois personnes. Ils sont dans la salle, ils m'ont salué, ils ont dit non. Il ne faut plus faire ça. Hein. Ce que tu as fait, on a vu dedans, on a vu ça, on peut passer. Non, ils ont l'affaire était étouffée. Mais ça a été réglé sur le plan spirituel. Maté sa propre. Le cœur, vous voyez, c'est ce qui décide tout. Amen. Amen. Tu as le secret, vous allez régler beaucoup de choses. Amen. Amen. Je suis allé dans l'argent des gagnants, on allait faire aider quelqu'un à faire des funérailles. Je trouve une soeur en Christ, une petite fille que j'ai connue. Elle est venue à Gagnon, tu la vois, elle est morte, bizarre. Qu'est-ce qui se passe? Et ça fait 4 mois que son mari a jeté pour aller marier une autre femme. J'ai dit, il t'a divorcé? Non. Tu as comme légalement marié du meilleur. Ça, c'est un petit problème. C'est un petit problème. Donc j'ai dit à la dame, ok,
La dame qui vient ton mari. Donne-moi son nom. Non, les femmes connaissent elle. Elle m'a donné le nom. Elle sait. J'ai pris le nom de la femme. J'ai dit, va, voici mon numéro. Tu vas m'appeler. Si tu ne m'as pas appelé d'ici 2 semaines, faut dire le prophète Crasso, Dieu n'est pas elle. J'ai fini le funérailles, je suis rentré. J'ai commencé à traiter le sujet. J'ai pris le nom du monsieur que je connaissais déjà. Je prends le nom de la dame. Et puis j'ai dit, je vous sépare. Au nom de Jésus. Dans ton cœur, j'enlève l'amour de la dame. Et maintenant, mais je vous sépare. Je n'ai pas là entre vous deux. Ah, vous me regardez. S'il n'y a pas par là, il va continuer à partir. C'est ça que la Bible dit, que vous priez mal. Vous priez mal. C'est pour ça que vous ne recevez pas. Mais s'il n'y a pas par là, il va rester. Palabre. On a déclaré qu'il faut qu'il y ait palabre. Elle est séparée. S'il n'y a pas palabre, on ne va jamais se séparer. Et puis je rappelle l'alliance qu'il a avec sa femme parce qu'ils sont mariés. Toute cette base-là, il faut qu'il revienne dans son foyer. Nous, le monsieur, il revient, il a esparadé sur son visage. Il y a eu palabre pour problème d'argent. Et le monsieur, l'argent. Il donne 1 million, la dame a dit que ce n'est pas suffisant. Il donne 1 500 000, il n'est pas suffisant, il voulait 2 500 000. Il dit quoi? Donc, pot de fleurs à côté là. Pas là, dans ça, elle a torché. Attendez. Pot de fleurs, bouge sa tête. C'est maintenant que c'est la petite. Non, ça va même. Tu as donné l'argent aussi. Tu as donné l'argent, c'est pas ton problème. Donc, elle m'a appelé. Elle dit, il est venu. Il espère dans son front. Je lui ai dit, soit les femmes à Platon, hein. J'ai dit, il ne faut rien dire. Quand c'est comme ça, on est orgueilleux. L'homme est orgueilleux dans son coin. J'ai dit, ne demande rien. Voilà, je le soigner. Il faut faire autre chose. L'homme à Platon, chinois, là. On lui dit non, toi-même là, tu t'es un moyen pas par là, tu allais chercher quoi de là. Tu as tout d'accord. C'est qui t'a chéri là? Tu as tout gâté. Il n'y a pas comme ça. Dieu t'envoie ta chose. Faut prendre. Faut prendre, soigne ça. Il a déjà compris. Le monsieur l'a compris. C'est ça que la foi vient de ce qu'on a compris. Pas de ce qu'on. Il a compris. Que le meilleur bonheur là, c'est toi. Et on bouffe. Et c'est après, il a commencé à faire des adieux à ça. Confessé, puis je les ai rencontrés, après j'ai prié. Mais il a fait quelque chose de spirituel. Je vais au mari, il sort devant les petites filles, bizarre. Il est collé là-bas, puis tu pleures. Ah, les filles sont dangereuses, les filles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Choquées pour ses vies, quand même là. Le mari m'a traumatisé. Dans le métro, il veut mourir. Il traverse la porte, je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Amen. Amen. Un gars bizarre, mais il a du temps. Ça va enlever les conneries là dans son cœur. Ce qui cherche dehors là, c'est là. Sans problème. C'est problème là qui va te mettre dedans. Vous savez, c'est un esprit qui le pousse. Combien? Ouais. C'est l'esprit. Où il n'y a pas de problème là même là. Tu les as. C'est où il y a un problème là. Tu marches dans les chats. Tu sais. Tu as quel problème? Mais c'est vrai que le gars, il a les démons. C'est lui qui est prouvé transpire. Parce qu'il y a un message, il dit non, il n'y a plus de voix. Oh, tu as une fois que tu es fâché, tu transpires. Ça veut dire qu'il y a un démon. Le contact qui t'a eu la fille, il y a un démon qui t'a possédé. Donc tu oublies ta femme. Pour ça de prier pour vous. Quand vous rencontrez quelqu'un qui est l'homme de ta vie, vous continuez de prier pour vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.